Marcel Pagnol est un écrivain, dramaturge, cinéaste et producteur français, né le 28 février 1895 à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, et mort à Paris le 18 avril 1974. Il devient célèbre avec Marius, pièce représentée au théâtre en mars 1929. Il fonde à Marseille en 1934 sa propre société de production et ses studios de cinéma. Il réalise de nombreux films avec les grands acteurs de la période, en particulier Rému, Fernandel et Pierre Fresnay, dont Angèle, 1934, Regain, 1937, et La femme du boulanger, 1938. En 1946, il est élu à l'Académie française. Après 1956, il s'éloigne du cinéma et du théâtre, et entreprend la rédaction de ses souvenirs d'enfance avec notamment « La gloire de mon père et le château de ma mère ». Il publie enfin, en 1962, « L'eau des collines », roman en deux tomes, Jean de Florette et Manon des Sources, inspiré de son film « Manon des Sources », réalisé 10 ans auparavant, et interprété par Jacqueline Pagnol. Biographie. Marcel Pagnol est le fils de Joseph Pagnol, 1869-1951, instituteur à Aubagne depuis 1889, laïc et républicain, et d'Augustine Pauline Henriette Lanceau, 1873-1910. Couturière à la santé fragile et de confession catholique. Il est l'aîné de 3 autres enfants, Paul Pagnol, né en 1898, Germaine, née en 1902 et René, née en 1909. Un frère aîné, Maurice, né le 2 avril 1894, et mort le 18 août de la même année, ne sera jamais mentionné dans l'histoire familiale. Marcel Pagnol écrira en insipide la gloire de mon père, je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. Il naît dans un appartement du 3e étage d'un immeuble bourgeois, dont ses parents étaient locataires, au 164 cours Barthélemy. Sa famille paternelle est originaire de Romanos, ses ancêtres ayant quitté l'Espagne au XVe siècle pour s'installer dans le midi de la France. Ses aïeuls se spécialisent dans le métier d'armurier et d'artificier, avant que son grand-père ne devienne tailleur de pierre, compagnon du Tour de France. En 1897, le jeune ménage s'établit dans le logement de fonction de l'école de Saint-Loup, à Marseille. Lorsqu'elle allait au marché, sa mère le laissait dans la classe de son père, qui eut un jour la surprise de le voir lire couramment, alors qu'il avait tout juste 3 ans, sa mère l'empêcha aussitôt de retourner à l'école avant l'âge requis. Puis, à la rentrée 1900, Joseph étant nommé instituteur titulaire à l'école du Chemin des Chartreux, la plus grande école communale de Marseille, la famille emménage au 54, avenue des Chartreux. En 1902, les Pagnol emménagent rue du Jardin des Plantes, puis rue Terrus, dans ce grand rez-de-chaussée, que complétait un sous-sol, éclairé, sur le derrière, par un petit jardin, où Marcel passera une grande partie de son enfance. À partir de 1904, soucieux de la santé fragile d'Augustine, Joseph décide de louer pour les vacances une villa dans la colline, juste au bord d'un désert de garrigues, qui va d'Aubagne jusqu'à l'Aix. Cette bastide neuve, située à la sortie du village de la Treille, à la périphérie de Marseille, et ses collines constitueront ce paradis de l'enfance heureuse, où se déroulent les plus beaux épisodes de ses fameux souvenirs d'enfance. Reçu 2e à l'examen des bourses, il entre au lycée Thiers en 1905 où il poursuit de brillantes études, malgré une vie de demi-pensionnaire mouvementée, qu'il racontera dans les 2 derniers tomes de souvenirs, Le temps des secrets, Le temps des amours. C'est là qu'il commence à écrire des poèmes qui paraîtront à partir de 1910 dans la revue Massilia. Il a pour condisciple l'élève Coderre, 13 ans, cancre d'avenir, puisqu'il fera fortune dans l'industrie du matériel roulant, qui le prend sous son aile, et Albert Caen avec qui il se lie d'amitié. Il n'a que 15 ans lorsque meurt sa mère, avec qui il entretenait une relation fusionnelle, l'âge d'Augustine, c'était le mien, parce que ma mère, c'était moi. Et je pensais, dans mon enfance, que nous étions nés le même jour. Un coup de froid ayant aggravé sa fragilité pulmonaire, Augustine meurt des suites d'une pneumonie aiguë, le 16 juin 1910, à l'âge de 36 ans. Elle sera inhumée au cimetière marseillais de Saint-Pierre,
puis à la treille. Joseph s'installe alors avec ses enfants au quatrième étage du 117, cours Liotot. Il se remarie le 30 juillet 1912 avec Madeleine Julien, veuve qu'il avait engagée pour s'occuper du ménage, et qui n'a que 8 ans de plus que Marcel. Ce dernier l'accepte très mal, au point de se brouiller avec son père. En 1913, à 18 ans, il obtient son baccalauréat de philosophie avec mention assez bien, et commence ses études de lettres à l'université d'Aix-en-Provence. Le 10 février 1914, il fonde, avec quelques copains de Cagnes, la revue littéraire Fortunio, qui deviendra ensuite les Cahiers du Sud, dans laquelle il publie quelques poèmes et son premier roman, Le mariage de Peluc. Puis, la Première Guerre mondiale éclatant, il est mobilisé au 163e régiment d'infanterie de Nice. Il est réformé en janvier 1915, pour faiblesse de constitution. Son ami Lydie Bellon, de son vrai nom, David Magnan, sera tué au front en juillet 1918. Le 2 mars 1916, il épouse Simone Collin. En novembre de la même année, il obtient sa licence de lettres et littérature vivante, anglais. Nommé répétiteur d'anglais, il enseignera successivement au collège de Digne, Tarascon, Pamiers-sur-Ariège et Aix-en-Provence, avant d'être promu professeur adjoint au lycée Saint-Charles à Marseille de 1920 à 1922. Durant cette dernière année, il écrit deux drames en vers, Catulle, puis en collaboration avec Arnaud Charlebrun, Ulysse chez les Phéaciens. Nommé en 1922 surveillant d'externat puis professeur adjoint au lycée Condorcet de Paris, il y enseigne l'anglais jusqu'en 1927, et il décide de prendre congé de l'éducation nationale pour cause de littérature. Dès son arrivée dans la capitale en 1922, Pagnol a la chance d'y retrouver Paul Nivois, ancien directeur de l'hebdomadaire marseillais Spectator devenu rédacteur à Comodia, seul quotidien français des lettres et des arts. Grâce à son amitié, Pagnol pénètre le milieu des jeunes écrivains et du théâtre moderne, commence à douter de l'intérêt de ses tragédies grecques et romaines, se risque à signer en 1924, sous le pseudonyme de Castro, un vaudeville composé avec Nivois, Tonton, ou Joseph Resté Pur, qui à son grand étonnement remporte un petit succès au théâtre des variétés. Ce qui encourage les deux novices à persister et écrire leur première pièce de théâtre, Les Marchands de Gloire. Représentée en 1925 au Théâtre de la Madeleine, cette brillante satire du patriotisme est cependant boudée par le public, de même que sa deuxième pièce, Jazz, donnée en 1926 au Théâtre des Arts. Métopaz, satire de l'arrivisme jouée au Théâtre des Variétés en 1928, connaît un grand succès, plus de 800 représentations à Paris. La nostalgie de Marseille qu'il éprouve à Paris, l'incite à écrire une pièce marseillaise, son entourage l'en dissuade aussitôt. Mais en 1926, ayant vu jouer à Bruxelles le mariage de Mademoiselle Bollemans, il comprend qu'une œuvre locale, mais profondément sincère et authentique, peut parfois prendre place dans le patrimoine littéraire d'un pays et plaire dans le monde entier. Et c'est ainsi que le 9 mars 1929, Marius, pièce en 4 actes et 6 tableaux, est créé au Théâtre de Paris avec Rému dans le rôle de César. C'est le triomphe universel pour les deux provençaux exilés qui, tout en s'apportant mutuellement la gloire et la célébrité, se lieront à vie d'une amitié aussi orageuse que sincère. Séparé de Simone Collin depuis 1926, il rencontre la jeune danseuse anglaise Kitty Murphy. De leur union naît Jacques Pagnol en 1930, qui deviendra son assistant après la guerre, puis caméraman pour France 3 Marseille. L'année 1929 est décisive pour sa carrière, il assiste à Londres à la projection d'un des premiers films parlants, Broadway Melody, et en est si bouleversé, qu'il décide de se consacrer au cinéma parlant. Pagnol fait la connaissance du directeur de la succursale française de la firme Paramount, Bob Kahn, qui lui propose d'acheter les droits de sa pièce Marius 500 000 francs. Pagnol refuse, mais accepte de se contenter d'un simple pourcentage sur les recettes, à condition que le film soit tourné avec tous les comédiens de la troupe théâtrale, Rému bien sûr mais aussi Pierre Fresnay dans le rôle de Marius, Fernand Charpin dans celui de Panis et tous les autres, et sous sa direction. Kahn, qui voulait imposer les vedettes en contrat avec sa firme, finit par accepter au début de 1931,
mais exige un réalisateur américain. Ce sera Alexander Korda, hongrois émigré aux États-Unis où il a conquis Hollywood. Il se fixera ensuite en Angleterre où, naturalisé, il fera une brillante carrière. Sorti le 10 octobre 1931, Marius est l'un des premiers films à succès du cinéma parlant français. Les recettes sont colossales, y compris à l'étranger. Pressé par le public d'en écrire la suite, il livre Fanny, pièce en 3 actes et 4 tableaux, créée sur scène en décembre 1931 au Théâtre de Paris. C'est le deuxième volet de ce qui deviendra la célèbre trilogie marseillaise, dont l'action se passe dans l'ambiance légendaire du bar de la Marine, sur le vieux port de Marseille. L'adaptation cinématographique, réalisée par Marc Allégret, sort le 2 novembre 1932. Le 28 juillet 1932, son frère Paul, le dernier chevrier des collines d'Alloche, à qui il rend souvent visite dans les collines où il a passé avec lui son enfance, meurt à l'âge de 34 ans. Souffrant du haut mal, grand mal épileptique, il s'éteint à l'hôpital de Courtrai, Belgique, après une opération de la dernière chance effectuée par le professeur Émile Eugène Loger. Il est inhumé dans le caveau de la famille Pagnol au petit cimetière de la Treille. Devant le succès de Marius, la Paramount a fait l'acquisition début 1932, sans son accord, des droits d'adaptation de sa pièce Topaz, confiée au réalisateur Louis Gasmier avec comme interprète Louis Jouvet. Pagnol réussit à participer au tournage, mais s'estime dépossédé de son œuvre. Il tournera plus tard lui-même 2 autres versions de Topaz en 1936 avec Alexandre Arnaudi, et en 1950 avec Fernandel. Désormais devenu très riche, il décide de devenir producteur, et fonde au printemps 1932 à Paris, sa propre société de production. Il installe ses studios à Boulogne-Billancourt au bord de la Seine, et à Marseille en plein cœur du célèbre quartier du Prado. En 1934, il achète, dans les collines au-dessus du village de La Treille où, enfant, il passait ses vacances, un domaine de 24 hectares, plus tard agrandi à 40, dans l'idée d'en faire son Hollywood provençal. Il y tourne désormais lui-même ses films. Son premier film en tant que réalisateur est Le Gendre de Monsieur Poirier en 1933, suivi de Geoffroy en 1933, d'Angèle en 1934, de Merlus et de Cigalan en 1935, de César en 1936, de Roguin en 1937, de La Femme du Boulanger en 1938, etc. En 1932, il rencontre aussi Jean Genot, qui l'incite à s'intéresser au cinéma, et dont il adaptera 4 œuvres, pour Geoffroy, d'après Geoffroy de La Maussan, Angèle, d'après un de Beaumunieu, Roguin, La Femme du Boulanger, d'après un passage de Jean Le Bleu. Il fait jouer les plus grands acteurs français de l'époque Rému, Pierre Fresnay, Fernandel, ami avec qui il joue à la pétanque entre deux scènes. Il vit désormais avec Corane de Mazis, qui incarnait tous les soirs le personnage de Fanny dans Marius et Fanny. Ils ont un fils en 1933, Jean-Pierre Burgard, car Pagnol ne le reconnaît pas. Puis, en 1936, Yvonne Poupron, sa nouvelle collaboratrice des bureaux de la rue Fortuny à Paris, met au monde une fille, Francine Pagnol. C'est l'année où il fonde la revue Les Cahiers du Film, avant de diriger sa propre maison d'édition en 1937. En 1941, pour réaliser son ambition de construire, sous le ciel de Provence, la cité du cinéma, il fait, sans l'avoir vu, l'acquisition du château de la Buzine avec quelques hectares de prairies au bord du canal. C'est en visitant son domaine 8 jours plus tard, qu'il reconnaît l'affreux château, celui de la peur de ma mère, le château de ma mère. Sa mère s'était évanouie lorsque la famille traversait clandestinement la propriété pour rejoindre la Bastide Neuve. Un garde les avait surpris, et leur avait fait faire demi-tour. Mais la Seconde Guerre mondiale fait rage. Pagnol doit interrompre ses tournages et vendre ses studios à la Gaumont, tout en restant directeur de production. Ceci lui permet de se dérober aux pressions d'Alfred Grevan, président de la Continental, société de production française à capitaux allemands, qui veut lui faire réaliser du cinéma de propagande nazie. C'est donc en tant que directeur de production des films Marcel Pagnol qu'il produit, en novembre-décembre 1941,
Le documentaire français, Vous avez la mémoire courte, réquisitoire contre le communisme et apologie du maréchal Pétain, commandé par le secrétariat général à l'information et à la propagande du régime de Vichy. Son dernier film tourné pendant la guerre, La prière aux étoiles, reste inachevé et, pour garder la maîtrise de son œuvre, Pagnol détruit la pellicule du film. Le divorce d'avec Simone Collin à peine prononcé, Marcel vit avec l'actrice Josette Day, rencontrée en janvier 1939. Leur liaison ne dure que le temps de leur refuge en zone libre, jusqu'à la fin de la guerre. Bien que très lié à Orane de Mazis puis à Josette Day, Pagnol n'a été marié ni à l'une ni à l'autre et trois enfants lui sont nés hors mariage, Jacques, Jean-Pierre et Francine. Sa propre mère, Augustine, a accouché d'un premier enfant moins de 4 mois après son mariage. Cela explique sans doute que le thème de l'enfant naturel soit une constante de son œuvre. Il acquiert en 1942 le domaine de l'Étoile à la Gaude, où il réemploie le personnel de ses studios, comme ouvrier horticole pour la culture de Yais, afin de leur éviter le service du travail obligatoire en Allemagne. Cette reconversion spectaculaire inspira et émut la boutade suivante, « Si Marcel devient fleuriste, alors moi, je n'ai plus qu'à aller vendre des rascasses. » En 1944, Pagnol est élu président de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Chargé de constituer une commission d'épuration, il s'emploie à défendre les nombreux auteurs et artistes ayant continué à travailler pendant l'occupation sans avoir pris de position ouvertement collaborationniste. Il épouse en 1945 l'actrice Jacqueline Bouvier, rencontrée en 1938, et qui sera jusqu'à sa mort son brin de poésie et de tendresse. Elle tourne dans 5 de ses films. Ensemble, ils ont 2 enfants, Frédéric, en 1946, et Estelle, en 1951, décédée d'une encéphalite en 1954. Âgé de 51 ans, il est, avec Paul Claudel, Maurice Garçon, Charles de Chambrun, Jules Romain et Henri Mondor, l'une des 6 personnes élues le 4 avril 1946 à l'Académie française lors de la 2e élection groupée de cette année, visant à combler les très nombreuses places vacantes laissées par la période de l'occupation. Il remplace Maurice Denet au 25e fauteuil, et devient le premier cinéaste reçu sous la coupole. Il est reçu à ce fauteuil qu'occupa jadis Prosper Mérimée, le 27 mars 1947 par Jérôme Tarot. La brutale disparition, en septembre 1946, de son ami Rému est pour lui une douloureuse épreuve. On ne peut pas faire un discours sur la tombe d'un père, d'un frère ou d'un fils, tu étais pour moi les 3 à la fois, je ne parlerai pas sur ta tombe. En 1948, il tourne, avec Tino Rossi, La Belle Meunière, premier film français en couleur réalisé en France par des Français avec un procédé français, le Roux Color, procédé utilisant l'optique au lieu de la chimie, mis au point par 2 Français, les frères Roux. C'est un échec retentissant et une perte financière de 50 millions de francs pour Pagnol. En 1950, il écrit le scénario d'une version modernisée de la nouvelle de Maupassant, Le Grosier de Madame Husson, avec Bourvil, acteur alors débutant, dans le rôle d'Isidore. Le film, mis en scène par Jean Boyer, très mal accueilli par la critique, connaît cependant un succès commercial. Pagnol prend sa vraie revanche 2 ans plus tard, en 1951, avec la 3e version de Topaz, au générique, Fernandel, Topaz, Lerquet, Tamise, sa femme Jacqueline, Ernestine Muche, un grand succès unanimement salué par la critique, nous avons eu le phénomène Rému. Il existe aussi un phénomène Fernandel. Écrit Jean-Jacques Gauthier dans Le Figaro. En 1951, il s'installe à Monte Carlo dans une somptueuse villa du 19e siècle en bord de mer, l'Elestra, auprès de son admirateur et ami, le prince Rainier III de Monaco. En 1954, à la mort de sa fille Estelle, âgée de 2 ans, il fuit l'endroit pour revenir à Paris dans un hôtel particulier au square du Bois de Boulogne, près de l'avenue Foch, se rapprochant de ses bureaux de la rue Fortuny. Toujours en 1951, Pagnol achève le scénario de Manon des Sources. Brouillé avec Fernandel, il choisit Rélis pour le rôle du Golin. Henri Poupon, le Papet, Raymond Pellegrin, l'instituteur,
et Jacqueline Pagnol, mais non, font partie de la distribution. Le film, qu'il tournait la treille, sort en janvier 1953 avec un accueil mitigé. Toujours très actif dans le domaine du cinéma, il signe la même année l'adaptation et les dialogues du Vaudeville Carnaval, mis en scène par Henri Verneuil, et se lance dans ce qui sera sa dernière œuvre pour le cinéma, Les Lettres de mon Moulin. Pagnol traduit en langue par les trois contes d'Alphonse Daudet, Le secret de Maître Cornille, L'élixir du révérend Père Gaucher, tourné à l'abbaye Saint-Michel de Frigolet avec Rélis dans le rôle titre, et les trois messes basses. En 1955, à 60 ans, il préside le jury du 8e Festival du film de Cannes. Il fait également jouer au Festival d'Angers, sa traduction d'Hamlet de William Shakespeare avec Jacqueline Pagnol et Serge Reggiani. Puis, le 6 octobre, il fait donner au Théâtre de Paris, sa tragédie en 5 actes Judas. L'éclairage nouveau, voire d'avant-garde, du personnage, tant il se rapproche de l'évangile de Judas, est mal perçu par l'ensemble des confessions. L'accueil tout aussi froid réservé à Fabien, comédie en 4 actes qui sort quelques mois plus tard, inciteront Pagnol à mettre un terme à son activité d'auteur dramatique, comme il avait déjà fait pour sa carrière de cinéaste. En 1957, il commence la rédaction de ses souvenirs d'enfance avec La gloire de mon père, premier tome qui connaît un immense succès, plus de 50 000 exemplaires vendus en un mois, dû, entre autres, à la façon dont Pagnol décrit les personnes qui lui sont chères dans le petit monde provençal qui l'entoure, et à la vivacité de ses souvenirs. Embelli par le temps et l'imagination. Le deuxième tome, Le château de ma mère, en 1958, s'inscrit en tête du classement des meilleures ventes de l'année. Pagnol est alors au premier plan de l'actualité littéraire. Grâce à lui réclame sa traduction des bucoliques de Virgile commencée 5 ans plus tôt. Suivant 1960, Le temps des secrets, Le temps des amours, inachevé, sera publié en 1977 après sa mort, puis en 1962, L'eau des collines, une version romancée en 2 tomes, Jean de Florette et Manon des Sources, de son film de 1951. En 1965, passionné par cette énigme historique, il publie à son compte Le Masque de Fer, remanié en 1973, sous le titre Le secret du Masque de Fer. En 1967, il tourne pour la télévision un conte d'Alphonse Daudet, dont il avait commencé quelques scènes en 1954, pour Les Lettres de mon Moulin avant de l'abandonner, Le curé de Cucugnan avec Fernand Sardou, qui sera diffusé le jour de Noël 1968. En 1968, il fête les 40 ans de Topaz, son premier succès. La pièce a alors été jouée plus de 5000 fois depuis sa création. Pagnol a dit, « Si j'avais été peintre, je n'aurais fait que des portraits. » Peintre de la nature humaine, précurseur du portrait psychologique, et de la valorisation de la culture régionale et provençale, il a légué à la postérité des portraits vivants des personnages de son enfance. Auteur comblé, il reçut tous les honneurs de son vivant, le succès, l'argent, la gloire et la reconnaissance des siens. Durant ces dernières années, Marcel Pagnol essaie de résoudre un problème mathématique, auquel se sont heurtés les mathématiciens depuis des siècles, à savoir trouver une formule mathématique reliant les nombres premiers. Il croit l'avoir trouvée en exprimant la conjecture suivante, n plus 2, n plus 2, est premier pour tout n impair. Malheureusement, cela se révélera une fausse piste, puisque pour n égal à 55, on trouve 3247, qui se révèle être le produit des deux nombres premiers 17 et 9134. Atteint d'un cancer, Marcel Pagnol meurt le 18 avril 1974, à l'âge de 79 ans, dans sa maison du square de l'avenue Foch à Paris. Son corps repose au cimetière marseillais de la Treille, auprès de sa mère et de sa dernière fille Estelle, non loin du caveau de la famille Pagnol où reposent son père et sa seconde femme, Madeleine Julien, ses frères et sœurs et leur famille. Sur sa tombe, en guise d'épitaphe, une citation de Virgile, Fontes, Amicus, uxorem dilexi, il a aimé les sources, ses amis, sa femme. Sa dernière épouse, Jacqueline, meurt le 22 août 2016 à 95 ans.